On parlait tout à l'heure sur le stream qu'il fallait avoir une corpo de type militaire, évidemment, pour progresser dans le jeu, sinon ça ne marchait pas. Donc voici une démonstration, évidemment, de notre partie militaire, évidemment, de la Waco. Très sérieux. Il faut un entraînement au sol de type rampage. Ça fait un peu soirée bizarre quand même. C'est quand même bizarre. Je sais pas ce qui est le pire, c'est le silence ou la scène. Hein. Oula, c'est vraiment bizarre la scène là. C'est vrai, il y en a qui s'est pris le Mad Gun dans la gueule, ça a rebondi. Il y a eu un zbong. Bonsoir à tous, vous tous, les lutins du Père Noël. Vous avez été mandatés par ce dernier qui a eu encore une fois une soirée un peu arrosée, le pauvre père. Et il a perdu le M2, dans lequel il y avait tous les cadeaux pour la région Europe. Donc beaucoup d'enfants sont très malheureux car ils n'ont pas leurs cadeaux. Votre mission, si vous l'acceptez, et si vous ne l'acceptez pas, vous êtes ban, ça sera de récupérer tous ces cadeaux. Mais j'ai une question. Attention. Oui. On est en mars, monsieur. On est à la bourre. Il était particulièrement bourré, c'est le vrai. Votre boulot sera d'aller récupérer tous les cadeaux. Vous avez vous êtes dans le super traîneau 9000 de by Drake Interplanetary. Vous avez tout ce qu'il faut dedans. C'est votre véhicule. Vous êtes rodé. Mais sachant qu'il y aura aussi le méchant Grinch et ses sbires qui sont là pour faire gâcher Noël. C'est quoi ce scénario de baiser encore? Mais c'est toi qu'on va baiser, très cher. Surtout petite précision, vous n'avez qu'une seule vie. Si vous mourrez, vous êtes éliminé, radié de la Waco, vous ne passerez jamais membre. Bon, sauf si évidemment vous mourrez à cause d'un peu passer au travers de la planète, etc. On pourra s'arranger, on verra au cas par cas. On n'est pas des monstres quand même. Les gars, il y a un mec qui se cache dans le mur. Hein. Ouais. Oui, je suis bugué. Ok, ce genre de bug, tu peux SD et du coup t'es éliminé comme on disait. C'est lunaire ce que je vois. Par contre, on a effectivement Alpha Cast bloqué dans le mur là-bas. Steph Dave, en tant que gérant des lutins, tu peux me débrief vu qu'on était en train de revenir là, on n'était pas là. Qu'est-ce qu'on doit faire de notre côté Alors nous avons perdu un C2 dans la forêt à 3 km devant vous. Ouais. Il faut ramener les caisses de cadeaux qui sont à bord. D'accord, mais il y a du staff quelque part ou pas Non mais surtout je vois qu'il y a des mules dans le vaisseau. Oui. On peut les prendre ou pas? Ah bah bien sûr, les caisses c'est des caisses d'un CU, donc il va falloir les ramener. Ah d'accord, bon bah moi je vais prendre des mules hein. Je vais prendre un mule en tout cas. Le C2 c'est qui ça? Ouais, j'avoue. C'est qui C2 qui se pose hein. Qu'est-ce qu'ils font avec le C8 là? Armin a commis un crime de destruction. Comment ça, mon ref? Allez, les gars. Ah, voilà. Mais... Quoi? C'était joli. C'était prévu, ça? Je crois pas, non. Il y a eu un petit accident de... Attends, mais c'était quoi, en vrai? En essayant de bouger une mule que ça a pété? Je pense. Bah non, moi j'étais en train de remonter pour essayer de débouger les mules, mais... J'en ai bougé une, mais j'ai absolument pas touché le chip, donc je sais pas ce que c'est. Mais je pense que c'est... Petit doule, là, qu'il avait... Je pense que c'est juste ça, les gars. Ça sert à rien de réfléchir 10 heures. Là, clairement, on est sur un bug de D5. Tous les autres, vous êtes partis à pied, là? Bah... Oui. Ouais. On a un cyclone avec mon buggy. Cette vue est incroyable. 4 ou 5, je sais plus. Vous avez vu ça, le chat? C'est fou ça. Regardez-moi un homme nu face au monde. Je veux faire ma maison ici. On voit le Hercule en tout cas au bout, face à l'adversité. Et derrière nous, évidemment, la carcasse, tout va bien. Face à la nature, l'homme sol est musclé. En slibar, Man versus Will. Cette pose. Enfin, j'arrive en surfant, les gars. Sur le M2. C'est sûr que c'est pas à cause du FRI. Par contre, la vue est très belle, je tiens à le dire. Moi je veux construire une base ici. Hein. On construit la base de la Waco ici, c'est officiel. Imagine, t'es là, tu te balades à poil entre le gazon et les vaches, quel plaisir. Avec ce caleçon qui est de plus en plus propre. Oh la pente dedans. Oh, cette pente de l'enfer, elle est mortelle. Hein. L'expérience, les gars. On demande aux membres de la Waco de savoir descendre une pente correctement sans se casser les jambes, c'est la base. Hein. Dragonfly sur ma position, Tyriol. Elle essaie de me tirer dessus. Ah ouais? Ah, je la vois. Le M2 est en train de faire des choses. Je suis caché dans une fougère, faut que je la contourne. Non, je suis une fougère. Il ne me verra pas. Oh, il est parti. Vous êtes où là? 1400 mètres. C'est long, hein. On cherche un mec en armure. Faut le mettre à terre et récupérer son stuff surtout. Faut le prendre par derrière. Mais Kayal a une arme avec nous, donc il peut le choper. Par rapport à moi, t'arrives à me dire où il est, Vicious? Je le place entre nous deux. Entre nous deux, ok, d'accord. Je sais qu'il est en armure, j'ai pas envie de mettre une balle. Je l'ai, je vais visu. Je peux pas encore l'agresser, il est trop loin. Il est un peu loin, mais j'essaie de m'approcher gentiment. Derrière l'arbre. Attends, je le rush. Ne tirez pas sur lui. Je l'ai. Non, ne tire. Non, merde, il m'a vu. Tire. Fume-le. Attends, je vais le clinguer. Stop. Putain. Je l'ai eu.
Let's go. Il faut le looter, loot-le vite. Attends, il va se relever, il faut le finir. Oh vas-y, pointe-le. Fouillez. Alors je suis désolé les gars, mais je prends tout. Il y a un sniper qui me tire dessus, il y a un sniper et un VFP qui te tire dessus. Merde, attends, j'ai pris l'arme avec. Elle est où? J'ai qu'un flingue avec. Ah, mais vous m'avez looté, petite saleté de lutin. Allez, cher. C'est moi qui t'ai looté. Les gars, go rush le Hercule dans tous les cas. Il faut que je vide. En fait, j'ai pas accès à mon arme à cause du bug de sac à dos là. Il faut que j'aille me vider dans le sac. Restez à couvert. Oh là là là, restez à couvert, restez à couvert. Oh le zbeul. Bah il veut quoi, hein. Essaye mais... Attention les gars, le Hammerhead arrive. Restez à couvert, restez à couvert. Près des troncs d'arbres. Oh. Faut qu'on traverse la plaine là. Oh les petits lapins. C'est qui tire? C'est là-bas. Oh putain, on est super à traverser la plaine. Ah, je fais le tour par la forêt. Oh, un cyclone. C'est qui le cyclone là qui avance là? Ah non, il y a un ursa. C'est un de vous? C'est pas à nous, il y a un. Oh oh. À couvert. Ah, je me cache dans un fourré là. Je suis une fougère actuellement. Enfin, je suis un sapin plus précisément. Ils ont hâte de tuer ou de tirer pour faire. Mais j'en ai aucune idée. C'est ça le pire. C'est comme un gros bolos. J'ai pas regardé les règles de l'event moi. Donc dans le doute, je fuis. Je cours. Et je crois que sincèrement, ils ont comme but de nous buter en fait. Et ils savent pas que c'est moi là. Je suis juste un petit lapin parmi 20 autres. Alors il y a un Raigun qui est Caterpillar. Oh putain le Nova, je l'ai visu. Ouais. Il faut que je retourne absolument au vaisseau pour récupérer mon sac à dos là. Il me faut un inventaire local pour me déshabiller. Et on peut prendre le contrôle des tourelles du Hercule hein. Parce qu'en vrai... Oui je dirais que oui. Oh, vas-y go et on se défend avec hein. Vous tirez avec hein. C'est un M2, il a une tourelle en bas. Oui. Mais oui, go. Ok je suis dans le Nova, je vais récupérer mon... dans le Hercule, je vais récupérer mon non-stuff. Il n'y avait pas d'armes dans le sac à dos du monsieur que j'ai looté. Oh merde hein. Quelqu'un a de quoi fumer ce... Attendez mais... On a accès aux tourelles ou pas du coup vous m'avez... Non, il a dit non, il vient de dire qu'on n'avait pas le droit d'utiliser le Hercule. Les gars, j'ai une solution. C'est moi ou la porte du temps qu'elle est ouverte? Bon, attends, du coup, ce mule. Parce que du coup, ce mule est chargé, il faut le. Oh putain de merde. Ouais, mais les mules sont pas encore OP pour l'instant, ils sont buggés, on peut pas en dire. Il y en a une, si. Il y en a une, c'est bon. On a 600 caisses à ramener, go faire 600 allers-retours, hein. Le Hammerhead se ramène très proche. Ce serait génial de capturer le tank en vrai. On n'a pas un truc qui permettrait d'ouvrir sa porte. Ah, pire, des gars au point, vous pensez que ça ouvre la porte? Ouais, ça ouvre la porte. Parce qu'en vrai, on va derrière le tank en sneaky, on lui fout des coups de poing dans la porte. Détournez-lui l'attention, c'est bien. Faites. Non, il se tourne vers moi. Non, putain, non, cours. Je cours, courez les gars. Il m'a vu, non. Ah, courez! Y a le Nova, non, quelqu'un peut foutre des points en Nova là pendant que je détourne l'attention? Quelqu'un quand vous avez le Nova, attends, je tape des goûts. C'est bon, moi je suis une fougère. Oh! Le tank! Sur la colline en face, ouais. Sauf qu'il peut. On a deux hommes. Attends, c'est à nous la Nox là? Oui. Ok, GG. Au pire, essaye d'attirer le tank et le faire venir là pour qu'on puisse se faufiler derrière lui et lui niquer sa porte là. J'ai un notre première caisse de cadeaux. On a le mec, il y a un mec derrière, devant le tank. Oh putain, ça nous tire dessus, attention. Restez à couvert de la butte. Il est pas avec nous le mec devant le tank. Oh. Non, monsieur Serpent, j'ai un mec ennemi sur moi, sur mon body. Je suis si proche du tank. Ouah. Le Hammerhead, il fait du coup. Il est toujours plus mal, le Hammerhead. Ah putain de merde, il m'a vu. Courez, cachez-vous derrière les arbres. Utilisez les troncs d'arbres. Voyez, je suis indestructible. Je suis un arbre. Attends, tu vois un mec là? Oui, juste vers le tank, il court. Je vois, mais il est trop loin pour que je le touche avec mon petit... Ouais, mais il est pas avec nous lui. Ouais, clairement. On y va en rampant, moi je dis. Hein. On est discret là. Vas-y, on rampe vers le tank. C'est la guerre. Par contre, y a un peu le Hammerhead. Ouais, ils nous ont pas vu là. Ah si, ils nous ont vu ou pas? Je suis pas sûr. J'ai dit troupeau seul ou troupeau seul? Ah, bouge pas. Sa vision est basée sur le mouvement. Ne bouge plus. Ah, je crois qu'on est spotted. On fait quoi? On reste couché? Cours vers la forêt! Cours! Oh putain, non, pas cette forêt là! Cours dans l'autre! Ouais, oh, joué ça! Oh GG, c'était quoi ça? Ça, c'était un petit tir de Raigun sur le Hawk. Oh, bien joué! Avec le Raigun à côté de moi, c'est un de vous? C'est Richard à côté, ouais. Ok, vise en priorité la porte hein, du tank, hein, vraiment. Ouais, je vais essayer, mais il avait pas montré son cul tout à l'heure. Au pire, je peux faire diversion si tu veux. Oh, mais on va attendre, il faut déjà avoir un visuel. Mais... Il est juste devant nous, vas-y, je vais faire diversion, va de l'autre côté! Je suis caché. Vas-y, démarre-moi! Viens m'attaquer, noob! Ah, il y est là! Non, il a reculé. Oh putain! Ah merde, Kyria est mort, on me dit. Vas-y, je fais diversion. Tu mourras pas! Merde. Attends, mais les balles elles ont glitch. J'ai plus de balles. T'as plus de balles? Non! Sauf qui peut! Sauvez-vous dans la forêt! J'ai vraiment le seum. Ça se passe comment les caisses pour le moment? On en a une. On a qu'une seule. Je reste caché derrière le tronc. Ah, moi j'ai ma strat du tronc. Attends, j'ai un petit tout le body. Le Hammerhead, les gars, le Hammerhead, faites attention. Oh là là là. Je crois que le cater est bugné aussi. Poulet! Oh! Non. Ah le souffle. Oh j'ai été touché là. Oh le souffle. Au secours, Aïe. Oh une T3 à la jambe. Bon,
Bon les gars, il nous faut un outil pour ouvrir cette boîte de conserve, hein. Je vais essayer de contourner. Oh ils ont... Il y a un cadavre qui est tombé du Hammerhead. Ah ouais. Il nous attaque avec des bombes psychologiques, il nous envoie nos propres cadavres. Oh je l'entends. Putain mais il tire dans notre direction le bâtard. Oh putain. On a Hammerhead plus tank plus possiblement ça sur notre cale avec Baltro. Ah ouais, ouais. Ouais mais Artenis là on est pas trop mal placé, franchement on court, on essaye les deux, on y va, on y va. Le véhicule, mais il faudrait que quelqu'un mette une caisse dans le... Oh non, ah, je t'adorme. Ah on a personne avec un tout. Sauf qui peut. Sauf qui peut. On est spotted. Je suis dead. Yes, là t'es 3. Sauf qui peut. Oh, capacité. Ah, je me suis chié dessus là. Franchement, Artenis, il pense que je suis là, donc au pire, si tu vois qu'il te tourne le dos, tu y vas. Hein. Bon, je retente. Oh, il est un peu loin là quand même. Ah, puis j'en ai un autre qui me tire au cul là. Je vais contourner. C'est violent pour une opération Père Noël quand même. Hein. Ouais. Ah, c'est violent. Ok, je le vois, j'ai vu. Il est devant moi, effectivement. Oh. Putain, c'est seulement... Oh, on peut vraiment ouvrir la trappe à l'arrière en tapant dessus, ouais, normalement. Putain, il va vite, ce con. Oula, c'est dangereux. Les gars, j'ai un camouflage poutre, là. Je suis actuellement une bûche dans le sol. Par assurance, ça, par contre. Ok, le char est pile à côté du M2. Il est genre à 50 mètres. Ah ouais, il a fait le tour, déjà. C'est qui a devant moi, là? Sauce. C'est Sauce. Ok, vas-y, guide-moi. Tu veux revenir où? Bah, pour les raids, là, pour les raids. Le Père Noël me dit que, vu le bordel, il vous envoie un Spartan pour vous aider. Généreux, le Père Noël. Il veut pas nous envoyer un tank pendant qu'on y est. D'ailleurs, pendant le tank, je le vois. Le tank, c'est hors budget. Il y a un Ursa au fond. Qui drift par contre. Non, bouge plus, ne bouge pas. Voilà, c'est bon. Attention! À couvert! Wow, oh le Spartan! Je suis dans le Spartan si jamais. Oh le bruit du mule quoi. C'est le vaisseau qui a le plus de sound design du jeu. C'est abusé. Le ratio bruit-puissance de ce mule est absolument insupportable. Qu'est-ce que tu dis? Spartan en position. Le Spartan, c'est pour quoi de base? C'est pour les caisses ou c'est pour transporter des gens? Non, pour les gens, je pense. En vrai, le Spartan, cache-toi, il est en train de te faire Asmat. Oh, calme-toi. Après, caché ou pas? Non, j'ai une meilleure idée. On n'est pas pour se cacher. Là. J'arrive pas à trouver. J'essaie de flinguer les mecs. Vous pouvez mettre des caisses dans le Spartan aussi ou pas? Si vous avez l'autorisation, d'accord. Je pense que c'était juste pour la défense. Mais le Spartan, on peut transporter des caisses. Du coup, go fourrer le Spartan. Vas-y, go, essayez de mettre des caisses dans le cul du Spartan. Je suis là. Ça devrait rentrer. Les caisses elles rentrent. Les caisses rentrent, il faut juste bien les ranger, faut les mettre dans le bon sens, bien à plat si possible. C'est pas évident, j'ai l'impression qu'on peut pas les mettre droite, c'est trop large. Est-ce qu'il y a quelqu'un à prendre avec moi pour ramener des mules? Aïe. Oh c'est dangereux les caisses. Mais les mules sur les cater ils sont HS hein. D'accord, ok. Mauvaise nouvelle, il y a le tank entre le vaisseau et le caterpillar. Là je ferme, il reste une caisse que je vais mettre avec moi devant. Ah je suis à terre. Qui m'a un smart? On se fait tirer dessus par les chips. Help, hein. J'ai besoin d'un res. Il y a du soin sur moi. Sur moi, il y a. Ah, mais il y a un snipe. Oui, un snipe. Ouais. Bah oui, bah non, c'est pas à moi, nous, qui m'a fumé. Hein. Bah, on charge la dernière caisse, nous, et on se casse, ok? Et les allez-y, autres. Allez-y. Attention. Si vous voulez, par pitié, refocussez-vous sur les objectifs. Ah, mais on est dessus, là. Là, je ramène plein de caisses, là. Ah, mais c'est compliqué de charger les caisses qu'on a plongé, là. Bon, ça va, pour l'instant, ça se passe bien. Un peu galère, comme d'hab. C'est parti. Let's go. Et vivement, Maelstrom, quoi. Plein le cul de me faire bloquer par un petit sapin. Là, je vois une route, je vais passer par là. J'espère juste que je vais pas croiser le tank, sinon je suis mal. Ok, là, je suis pas mal. Niveau route, je suis pas mal. Oh la poule! Il y avait une tige qui dépassait du sol! Ça va, pour l'instant les vaisseaux dans le ciel ne m'attaquent pas. Les gars, j'arrive bientôt à destination avec le Spartan, ouais. Comment mon véhicule veut plus avancer d'un coup? T'es sur un caillou. Oh putain, il y a un caillou. Merde. Nom de dieu de merde. Je suis sur un caillou. Ah, j'ai vu les tanks, il y en a deux. Ah, j'étais sûr qu'il y avait deux tanks, je vous ai dit tout à l'heure. Par contre, je suis coincé de ouf là. Il y a un petit caillou de 10 cm là qui m'empêche d'avancer. Je vais me prendre un suppo là. Ouf. Timer, s'il te plaît. Oula. Timer, il vous reste 10 minutes. Manger la caisse, tu peux y aller. C'est 23h. Ah. Oui. Un petit coup de nez, un petit coup vers le haut et c'est bon là. Ah, c'est bon, je suis libre. On tire dessus. Ah, y'a un Ursa. L'Ursa, ouais, l'Ursa, je l'ai vu arriver vers vous. Je suis au Caterpillar, les gars, je suis au Caterpillar, j'ai des caisses à décharger. Je peux venir chercher du monde si vous voulez, mais il faut vider les caisses que j'ai là, dans tous les cas. J'ai 2, 3, 4 caisses à vider là. Je les pose sur le Cater là. Cette année, les enfants non seulement auront leur Noël en retard, mais ils auront pas beaucoup de cadeaux, effectivement. Merde, ils montent pas. La rampe monte pas, je peux pas aller ranger les caisses dedans en haut. Non, la rampe est buggée, faut les monter avec un tracteur. Oh oui, chargez les mules dedans, on a des caisses. Il y a des caisses qui sont buggées, chargez les mules dedans direct. Laissez-moi faire un à la fois parce que sinon on va galérer. Nique le système. Oula, mais pourquoi il s'en va? Mais pourquoi il s'en va comme ça là? Reviens. Aïe. Oh, il y a un Idriss. Quoi? Ah, ils ont réussi à retrouver un Idriss. Il y a Idriss. Comment ça, il y a Idriss? C'est pas des gens qui arrivent, je conseille tout le monde de revenir. MDR, attention, Idriss. Ils ont deux Idriss. Il y a tout le monde qui arrive. Comme ça, il y a deux Idriss. Idriss, M2, HH. Oh, des chasseurs. Pourquoi il y a des missiles sur l'Idriss? Du coup, on doit faire quoi là, les gars? On a des infos ou pas? Ah, bah, il va falloir se barrer. Là, on s'en va, le timeout est arrivé. Mais on se barre où et avec quoi? Bah, avec le Caterpillar. Les gars, ouais, poste de commandement, tout le monde, s'il vous plaît. Je vais dans la tourelle avant, devant. Il faut quelqu'un à la tourelle arrière. Ok, je suis tourelle avant. Ok, go.
Qui c'est qui nous tire dessus là? Bah, toujours les mêmes hein, depuis le début. Mais je vois rien là. C'est bon, je suis dans la tourelle inférieure. Ah! Putain, je peux pas les target à cause des nuages, mais. Oh putain, un missile en vue! Oh non, depuis. Qui c'est qui nous a tiré tous ces. Oh, l'Idriss est là. Et merde. Putain, oh putain de merde! Excusez-moi, j'ai vu le tir de Raygun passer au-dessous de nous. Ah, on est bien rouge. Oh, je lui ai bien niqué la race au sabre. Oh, il est presque down. Oh, il est fou rouge. Il y a le feu dans le caterpillar, les gars. Ouais, il faut. Oui, Steph, oui, ça m'étonne. Quantum, quand tu peux. J'avais un doute. Et il est mort! J'en ai eu un! J'ai eu Yannock, je crois. Il y a Pyro qui a 2 kilomètres là, il fait pas le malin là. Il y a Pyro qui est juste au-dessus du terrain. Juste au-dessus? Attends, j'ai son point. Il est où? Oh, il est pas loin, effectivement. Ah, j'arrive pas, trop loin. Ah, il y a bah oui, c'est pas Malo! Qu'est-ce qu'il fait là lui? Il est en quoi? Il est en Hercule? Feu! Il nous drop une. Attends, mais Chamaloum? Attends, mais c'est pas Chamaloum? Et Steph, il faut Quantum là, vraiment vite. Je suis bloqué. C'est quoi ça? Attends, mais à l'aide, on peut pas Quantum, on est bloqué. Oh, c'est Black qui vient faire le kéké maintenant. Allez, y'a plus de Black. Allez, ça fait moi le malin là hein. Oh, on a eu. Oh, ce tir au pigeon. Oh, il est mort. Y'a Pyro par contre qui revient, Pyroscorp qui est arrivé à 2 km. Oh merde, j'ai pas d'eau. Par contre, Steph, faut que t'arrives à Quantum là. Allez, go, 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 on se fait aussi. Oh la vache. Oh là là. Y'a Pyro qui okay. Oh, let's go. GG. Eh ben, on est parti avec l'explosion du missile, MDR. Oh, problème, interdiction. Oh, quoi? Putain, les salauds. Interdiction. Attends, mais c'est scripté ça. Non, c'est pas scripté ça. Ils sont où là? Ça a l'air scripté un petit peu. Ça a l'air, mais comment ils ont fait là? Je sais pas. Visu devant. Ah oui, putain, c'est vrai. Ils sont vraiment là. Ils sont vraiment. Je vais sortir mes meilleurs skills de snipe de gunner. Ça touche. J'ai pas le temps de voir ses shields, mais ça touche. Ok, Buck, il a bientôt plus de shield d'avant. Buck, il faut le finir, c'est un arrest. Les gars, c'est chaud. Ouais, mais ils sont combien? Mais ils sont beaucoup trop là. Attends, mais ils sont 10 fois trop là. Ça pour les cadeaux de Noël. C'est quoi ce gang de fou? On est en train de prendre très très cher là. Je suis sur Pyro pendant un moment là. La vache, ils sont à la disto. Je commence à perdre les écrans. Ah merde. Ah, Shield Dawn, ils vont nous éteindre. C'est quoi qu'elle a la disto mais là? Normalement, c'est Happy End quand il y a le Père Noël. Mais ouais, j'avoue, il est où? C'est qui a les disto en face? Ah, je sais pas, mais. Attends. Je les vois sur mes écrans. Ah, mais c'est Block, c'est Block, c'est Block Drone. Ok, je le fume. Il a plus de shield, il est en Hornet, ok, il est en Hornet, il est dessous. Attends, mais il y en a un autre, il y a Garat aussi. Ah, hein. On est éteint. Moi, je suis pas éteint encore, je me battrai jusqu'au bout. Allez! Putain, mais il est solide! Ah, je suis désactivé, je peux plus tirer. Non! Abordage! Moi, je propose, les gars, en poste de commandement, mettez-vous en. Préparez-vous à nous faire aborder là, il faut les fumer. Moi, je propose qu'on fasse une salle. On est combien dans ce vaisseau là? Bon, j'ai peut-être un plan. Tout le monde dans la salle de commandement là où il y a Steph Dave. Il faut les choper dans un goulot d'étranglement. Ok, je me suis drogué, comme ça j'oublierai. Je vais oublier. Bon, les gars, il faut se mettre à couvert et les asmater dès qu'ils ouvrent la porte là. Mettez-vous pas près de la porte s'il vous plaît. Les gars, vous allez vous prendre des balles perdues si vous êtes proche de la porte. Ça vient! Quoi? Ça vient, attention! Ils sont lance-grenades, les bâtards! Oh les chiens, ils balancent des grenades! Ça vient! Oh, ça vient! Quoi, mes gens! J'en ai deux d'armes! Mais comment je prends des tirs alors qu'ils me regardent même pas? Oh, ils se raisent! Ils se raisent entre eux, les chiens! Mais qu'est-ce qu'ils font avec mon corps là? Non, mais les gars, ils jouent avec nos corps là! Je crois qu'ils baissent nos cadavres! Oh merde, ils sont en train de me. Oh non! Merde! Mais c'est moi le patron normalement! Oh non, ils me mettent tout nu! Non! Arrêtez de jouer avec mon corps! Les gars, ce fut un honneur d'être à vos côtés durant cette. On aura au moins eu le plaisir de tuer Black. Ah ouais, Black et Armin sont morts de nos mains. Ce fut un plaisir. Hein. Je pense que la soirée est un succès juste pour ça.